Salut! I'm Sabina, I'm a qualified French teacher. And in this French listening practice, which is suitable for CEFR A2 learners, GCSE, IGCSE French students, and equivalent levels, you are going to hear my good friend Henrika talking about the house and home. She's going to talk about differences between houses and homes in France and England. She's also going to give you a little tour of her house. She's going to talk about if she had the opportunity to live elsewhere, where would she live? If you'd like to improve your listening skills further, then I recommend that you try out one of the activities listed above. Alternatively, if you want to do a worksheet, if you feel that will help you to improve your listening comprehension, download one at my website. This should help you to improve your French listening comprehension. Enjoy. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi, Henrika, chez moi. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de la maison et du foyer. Donc tout d'abord, quelle est la différence entre une maison, un appartement, donc home, et ce qu'on appelle le foyer, donc le house. Je dirais que la maison, l'appartement, c'est tout simplement là où on vit, c'est l'endroit où on vit. Et par contre, un foyer, c'est ce que l'on fait de sa maison, c'est le cœur qu'on y met, c'est l'énergie qui circule, la dynamique qu'il y a, la décoration, mais aussi toutes nos affaires avec nos meubles, nos livres, nos vêtements. Voilà, c'est un petit peu le cœur de la maison, le foyer. C'est là que circule un peu l'énergie, le cœur de la maison, tout simplement. En France, on décrit donc une maison ou un appartement par le nombre de pièces de vie. Donc ça veut dire que par exemple, moi, chez moi, j'ai deux chambres et un salon. Donc on va appeler ça un appartement de type 3. Donc si vous avez quatre chambres et un salon, eh bien ce sera un appartement de type 5, tout simplement. En général, les appartements sont dans des immeubles et les maisons, eh bien ce sont des maisons, qu'elles soient mitoyennes, donc collées les unes aux autres, ou des maisons individuelles, ce sont dans des maisons. Ensuite, comment c'est réparti? En général, dans les villes en France, on a toujours ce qu'on appelle une zone résidentielle avec plusieurs immeubles, que ce soit privé ou que ça appartient au gouvernement. Et donc là, on va avoir plutôt des appartements, des grands immeubles, plutôt haut ou plutôt bas, avec principalement des gens qui résident en appartement. Et puis dans d'autres parties de la ville, on va avoir des zones plutôt ce qu'on appelle pavillonnaires, donc avec des pavillons, des maisons où vivre. Et là, ça va être ça va être plutôt du privé, c'est des gens qui ont acheté leur maison, ça va être des endroits plutôt calmes. Et puis sinon, il y a certaines nouvelles villes, parce que comme il faut beaucoup construire, énormément construire, il y a des villes où les zones résidentielles sont mélangées aux zones pavillonnaires et où les gens apprennent à vivre tous ensemble, je dirais. Donc pour vous présenter un petit peu, je vais vous montrer un petit peu, vous faire un petit peu le tour de mon appartement. Donc là ici on a l'entrée de l'appartement. Donc c'est une petite entrée assez simple avec un meuble d'entrée. Là ici on a des toilettes, tout simplement. En France on sépare toujours les toilettes de la salle de bain. Donc vous voyez, elles sont séparées. Ensuite ici vous avez une salle de bain, voilà, donc ma petite salle de bain avec donc ce n'est pas une douche, c'est une baignoire pour pouvoir prendre des bains, mais aussi bien des douches, voilà. Ensuite ici, donc vous rentrez dans le salon, voilà, avec une décoration que j'ai choisie, voilà, qui est un petit peu à mon image, qui rend hommage un petit peu à ma culture, qui rend hommage aussi un peu à la femme que je suis, avec des couleurs chaleureuses, avec le côté or et plusieurs couleurs, parce que j'aime la couleur, j'aime la vie, donc forcément il y a beaucoup de couleurs chez moi. Voilà. Ensuite, en dernier, vous avez deux chambres. Donc une chambre pour mon fils qui est fermée et la chambre principale, la chambre des parents, avec un grand dressing. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu le tour de ma maison.
et aussi la cuisine. Mais j'ai un enfant qui pleure, donc je ne vais pas rentrer dans la cuisine. Et voilà, j'aime beaucoup la décoration. J'aime la décoration du monde. J'aime les tableaux, j'aime les belles pièces. Et c'est hyper important pour moi d'avoir plus d'atmosphère chaleureuse et accueillante pour qu'on se sente bien chez moi, qu'on soit un peu cosy. Voilà, c'est un petit peu le thème de mon appartement. Et si là maintenant je devais choisir là où je voudrais être, je voudrais bien sûr avoir une superbe maison avec une piscine au bord de mer, mais ça, qui sait, sera peut-être pour un jour. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et vous, quelle est la maison de vos rêves? Où est-ce que vous vivez? Voilà, quelle est votre conception du foyer, de la maison? Et voilà, n'hésitez pas à en discuter entre vous. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans votre maison? Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.